Salut à tous et à toutes, c'est Max de 15. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler par rapport aux conventions, en sachant que j'ai regardé les infos de 19h. Donc et ce n'était pas très rassurant au niveau pour les conventions. Ils ont parlé notamment de du Loto Mons Expo, pour ceux qui sont de Belgique, ils ont parlé de ça, du Loto Mons Expo. Ils n'ont pas parlé de Bruxelles Expo. Mais comment dire que, à mon avis, il n'y aura pas de convention cette année. Demain, donc le 23 juillet, il y aura un Conseil national de sécurité par le gouvernement qui décidera si oui ou non on passe à la phase 5 du déconfinement ou si on recule en arrière. En ce qui concerne, malheureusement, ben, la plupart des trucs, c'est qu'on retourne en arrière. Ils vont passer de... Donc on était à 15 personnes, on va repasser à 10 personnes, voire un petit peu moins que 10 personnes. On verra demain. En ce qui concerne les conventions, pour la Winter Geek Festival qui devait se passer au mois de décembre, je ne sais pas si elle aura lieu. Je ne pense pas. Parce que malheureusement, le directeur du Loto Mons Expo n'a pas confirmé qu'il y aurait des conventions prévues. Enfin, il y a des conventions qui sont prévues, notamment la Winter Geek à l'Auto Mons Expo, mais il n'y a pas de confirmation par le gouvernement si cela peut se faire ou non. Nous aurons la réponse demain. Mais si je verrai demain, le Conseil national de sécurité se fait à 9h et nous aurons les résultats. Ben, après 9h, une fois que le Conseil national de sécurité aura été fait et que j'aurai les infos, je vous en ferai une vidéo pour vous montrer toutes les informations. Il n'y a pas de problème. En ce qui concerne toutes les conventions à Bruxelles, je ne sais pas s'il y aura la Made in Asia début septembre. Ça se passe le 4 et le 5, je crois, à Bruxelles Expo. Je ne sais pas non plus s'il y a cette convention-là qui sera autorisée ou non. Nous aurons la réponse demain pour le Conseil national de sécurité. Malheureusement, en attendant, nous sommes coincés. Je suis aussi coincé parce que normalement, je devais aller à la Winter Geek Festival. Comme chaque année, je vais dans des conventions pour justement vous rencontrer. Et voilà. Je sais bien qu'il y en avait une, c'était à la Made in Asia à Namur. J'ai rencontré un abonné qui habite en France. Ça m'a fait plaisir. Il est passé dans la vidéo. Il était venu aussi à Walibi. On avait fait un vlog. Il était venu une journée. Et nous avons fait... Il est passé dans mon vlog. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. En ce qui concerne, c'est tout pour cette information que j'ai. Que je devais absolument vous en faire part. Parce que c'est quelque chose d'important pour moi. En sachant qu'il n'y a que dans les conventions qu'on peut se voir aussi dans des lieux publics. Mais la plupart des trucs, du temps, c'est dans les conventions. Et je trouve que il faut en parler pour mettre les choses au point par rapport à cela. Et je pense que cette année, il n'y aura pas de convention. On verra demain, selon ce que le gouvernement dit. Et voilà, malheureusement, on n'aura pas le choix d'exécuter de ce que eux diront. Malheureusement, on n'a pas le choix. Le virus en Belgique augmente. Nous sommes à 89%. C'est réellement la hausse. C'est la hausse. Peut-être que dans les autres pays, c'est stable. C'est légèrement élevé. Je n'en sais rien. Je suis pas franc. J'habite pas en France. J'habite pas dans les autres pays. J'habite en Belgique et je sais qu'en Belgique, nous sommes à 89% et que la situation devient grave pour ceux qui disent « Mais non, il faut arrêter avec ça !» Non, la situation devient grave et même si, je sais pas quoi, comment le dire quoi. Mais il faut faire attention, surtout faites attention à vous et à vos proches, c'est très très important. Commencez pas à sortir n'importe où, avec n'importe qui, voilà. Restez chez vous, invitez vos potes si vous le désirez, mais restez chez vous. Allez dehors si vous voulez, mais faites attention à vous et n'exagérez pas parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voilà, tout simplement. Bref,
Je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et à partager un maximum. C'est Thomas15. Bye bye à tous et à toutes. Ciao, ciao.